Alors bon, des végélias, des nigelles, des guirlandes d'amour blanc, des campanules, il y a plein, des rosiers, un nombre incalculable. Je suis, moi, incapable de vous dire tous les noms, alors que j'ai la liste. Chaque parcelle de son parc a un thème différent. Là, on se trouve du côté des jardins japonais, donc avec la gloriette qu'on va apercevoir. La gloriette magnifique, avec toute une déco. On continue la promenade dans le parc, on monte, des pavots magnifiques, pavots de décoration, voilà. Voilà, quand je dis qu'il y a un nombre incroyable de fleurs, voilà. Barbe de bouc, blanche là, ou astilde, magnifique aussi. Et des rosiers partout. Enfin, il n'y a pas que des rosiers, il y a toutes sortes de... Je dis que c'est un jardin, enfin pas un jardin, un parc aux 1000 fleurs, mais c'est vrai. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle connaît absolument le nom de chaque fleur. Alors, des iris bleus. Alors moi, c'est la première fois que je voyais des iris bleus, voilà. L'arbre à papillons pleureur, magnifique aussi. De petites allées comme ça, perdues à travers la végétation,
qui nous font à chaque fois découvrir autre chose. Là, on va passer dans une deuxième partie du parc, et tout aussi jolie et romantique. Alors, ma sœur a une décoration intérieure splendide, mais alors extérieurement, c'est magnifique aussi, tout aussi beau. Elle trouve toujours des choses à mettre qui sont vraiment superbes. Voilà l'endroit reposant et romantique à la fois. J'adore cet endroit. Magnifique thématique au passage. Pour moi, ça représente un coin de paradis. Voilà, c'est reposant. Là, nous voilà repartis pour une autre partie du parc encore. Enfin, on n'en finit pas. Il faudrait, pour bien faire, pour tout voir, presque la journée. Des nigelles au passage. Cardinal de Richelieu. Thank you.
dernière partie, on passe sous la tonnelle de rose et on va apercevoir la Mamounia, la pièce que j'adore. Le reste, dans le petit coin encore, toujours caché, il y a des endroits magnifiques. Magnifique aussi. Et là, on arrive dans la dernière partie, la partie des rhododendrons et des hortensias, des fougères, le mur tout en pierre avec les petites fougères et tout. C'est un coin magnifique et caché et qui est très beau aussi. Et toujours avec un rosier qui est haut comme un arbre. L'extérieur est magnifique et l'intérieur shabby chic, toute sa maison. Et oui, c'est un gâteau qu'elle nous avait fait. Même les gâteaux sont magnifiques chez elle.